Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger, c'est voter. Nous sommes ici à Château-Gontier, sur les bords de la Mayenne, dans le département de la Mayenne, et nous allons retrouver la sénatrice Elisabeth Doineau. La Mayenne est un département où la ruralité se bat pour survivre. Il y a eu une crise laitière qui a défrayé la chronique. Et avec la sénatrice, nous allons rencontrer des gens entreprenants, on va goûter des choses délicieuses et on va comprendre que dans ce pays, il y a des solutions à la crise. Vous allez voir, c'est un Manger, c'est voter combatif. Je prends des petites poires là. Vous remplissez le petit sac. Bah, comme ça, c'est parfait. Ça va aller. Ouais. D'accord. Vous ressemblez beaucoup à Elisabeth Doineau. Pardon. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très heureux de faire votre connaissance. Eh bien, écoutez, moi, ravi de vous accueillir sur le marché de Laval. Bon, écoutez, on est déjà chez un petit producteur. Je vois. Exactement. Vous avez vos bonnes adresses. Exactement. Et les poires sont délicieuses. C'est une poire à tarte. Hein. Alors ça, vous le savez pas, mais je suis la reine des tartes. Hein. Ah, on m'a pas présenté les choses comme ça, mais pourquoi pas? Attention, je vais vérifier. Mais tous mes amis le disent parce que je réussis particulièrement bien ce gâteau. Alors, madame la reine des tartes, je vous invite à me suivre. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Alors, qu'est-ce qui a fait que la jeune Nantaise se retrouve sénatrice de la Mayenne? J'ai épousé un Mayennais et puis ensuite j'ai eu la confiance des habitants d'un petit village de 340 habitants. Comment s'appelle le petit village? La Rouaudière. La Rouaudière. Voilà, hein. J'ai été maire pendant 13 ans. Ensuite conseillère générale, on dit départemental aujourd'hui, et puis ça va croissant. Vous rencontrez un grand personnage politique qui est Jean Arthuis, ici de l'histoire du centre, et c'est lui qui vous booste davantage? Alors il n'a pas eu besoin de me pousser, disons-le honnêtement, j'ai été prise au jeu. Alors avec le Sénat, vous franchissez un cap. Et ça me correspond mieux, parce que finalement, la défense des territoires, c'est plutôt mon affaire. Il faut essayer de comprendre. Et moi, j'essaye toujours d'interroger, parce que je ne suis pas agricultrice, mais je suis entourée d'agriculteurs dans ma commune. J'ai toujours eu dans mon conseil municipal pratiquement que des agriculteurs. J'essaye de comprendre leurs difficultés. Mais pour en faire quoi en tant que sénateur? Est-ce que vous pouvez... Pour porter témoignage de leurs difficultés. Mais ce n'est pas que ça, le Sénat. Mais non, bien sûr. Il y a aussi des lois. Alors, dans les lois, moi, j'essaie à travers la loi, surtout, de simplifier les choses. Alors, je suis une voix parmi 348. Je ne suis pas la seule à décider. Mais en tout cas, je porte témoignage au Sénat de leurs difficultés, de leur détresse, et j'essaie, autant que faire se peut, de ne pas en rajouter pour leur compliquer la vie. Madame, je sens quand même beaucoup d'impuissance dans tout ça de la part. Et vous voyez, vous n'êtes pas la première sénatrice que je rencontre, et même quand on rencontre des gens du gouvernement, on a l'impression qu'il y a une inertie qui empêche de prendre des vraies mesures qui puissent sauver notre agriculture. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous pour secouer tout ça? C'est vrai que l'agriculture, ça ne peut pas se décider aujourd'hui sur un niveau national. Ça, on le sait tous. Par contre, localement, on peut agir. J'aurai l'occasion de vous présenter un lieu ce matin où justement on travaille sur des produits locaux pour alimenter l'ensemble de la restauration collective. Et là, c'est le département qui a pris une décision qui permet de se fournir 100% français, 50% local et avec une partie de bio. Ça m'intéresse parce que là, on est vraiment dans Manger, c'est voter. Oui. Alors, si on peut y aller, je vous y accompagne. Bonjour. Bonjour. Vous nous apportez 2 tonnes de pommes de terre? Oui. Impeccable, c'est pour faire de la pomme de terre vapeur. Allez-y, je vous laisse les stocker. On est joli, hein? Perico, je vous guide jusqu'à celle qui a mis en œuvre un projet génial sur le département de la Mayenne. Ça s'appelle la Légumerie 53 et c'est un chantier d'insertion. Elisabeth de Vitton. Bonjour madame. Alors ici, on est à quel stade de la transformation? Donc là, les pommes de terre qui ont été livrées mis en parmentière pour être épluchées mécaniquement. Et après, elles sont intégralement parées à la main. Finies à la main. C'est-à-dire que les personnes vont les reprendre une par une pour qu'elles soient impeccables. Et il en est ainsi pour tous les légumes? Tout à fait. Aujourd'hui, tous les collèges s'approviennent ici, une grande partie des lycées, des cuisines centrales, quelques restaurants, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques. Il faut savoir qu'il y a 55 000 repas jour en Mayenne de la restauration collective. Donc c'est dire les enjeux d'un tel projet. Et 27 départements de toute la France sont venus ici pour dupliquer ce modèle très simple. Madame, vous êtes un trésor national, hein, c'est un trésor vivant. Oui. Tous les départements veulent ce genre d'organisation. C'était un concentré des missions du département. L'insertion, l'environnement, l'agriculture et puis les collèges, l'éducation. L'éducation au bien manger. Là, concrètement, ces pommes de terre viennent de Mayenne? Oui, elles sont de Saint-Denis-d'Anjou. Pommes de terre de Mayenne qui restent en Mayenne. J'ai l'impression que ça n'a pas toujours été ce circuit-là.
Oui. En fait, il y a le code des marchés européen qui oblige les collectivités à prendre le moins-disant, donc le moins cher. Il y avait beaucoup de collèges qui avaient la facilité d'acheter de la pomme de terre qui venait de la Mayenne et de la Bretagne, mais qui partait en Turquie pour se faire éplucher à l'acide chlorhydrique bouillante. Et là, ça part en Hollande, sur des grandes plateformes de redistribution, pour revenir dans l'assiette de nos enfants. Totalement 4800 km. Aujourd'hui, elle fait entre 20 et 30 km la pomme de terre. Bonjour, le bilan carbone. Merci la mondialisation, mais on vit dans un monde de fous, vous vous rendez compte. On est là pour changer les choses. Non, mais vive la République, madame le sénateur. Mais c'est vrai que la rentabilité, à un moment donné, a été toute puissante. Aujourd'hui, notre rôle, c'est aussi d'essayer de favoriser des initiatives comme celle d'Elisabeth de Vitton, de son chantier d'insertion, et justement d'amener nos collèges à utiliser que des produits bien mayennais, et puis surtout de faire quelque chose pour nos agriculteurs au moment où ils traversent des difficultés. Venez voir. Allez, c'est frais. Des beaux concombres, ah oui, courgettes, aubergines. C'est un jardin d'Éden. La petite salade bio. Elle est belle, hein. Voilà. Vous êtes écolo, finalement. Complètement, complètement. Là, vous avez des petites tomates cerises, là. Ça ressemble à du bonbon. Vous avez raison, Elisabeth, c'est des vrais bonbons. Quand ça éclate en bouche... Ça vient d'où, ça, c'est merveilleux. Comme une vraie cerise. Renazée. Alors là, on est en cœur de la Mayenne, hein. Moi, je les connais bien, en plus, ces producteurs. Mmh. C'est des gens vraiment charmants qui font attention à tout ce qu'ils font. En termes de culture, ils sont attentifs à tout. Donc maintenant, on va aller en pommes. Donc là, c'est des commandes de pommes de terre cubes. Vous avez vu les bonnes grosses pommes de terre qu'on a vues tout à l'heure, là? Elles sont coupées, elles ont été rincées, désamidonnées, pesées. Donc là, c'est un conditionnement de 5 kilos. Après, vous voyez, c'est mis sous vide. Ça, c'est la machine la plus géniale qu'on ait inventée. Voilà, donc c'est le seul moyen de la conserver. Bien sûr. Alors là, c'est l'épisode traçabilité. Oui. Donc en fait, on met une étiquette qui va dire que c'est de la pomme de terre crue en cube, prête à l'emploi. Donc voilà le produit fini qui va être livré aux cuisiniers. Voilà. Ils ont tout de suite joué le jeu, ils ont compris la finalité de votre démarche. Alors oui, parce qu'en fait, on les a associés au projet dès le début. Parce que c'était compliqué pour eux. Ils travaillaient avec du produit pré-cuit. Et là, on les oblige à retravailler avec de la pomme de terre crue. Et donc, revoir tout leur process. Donc, c'était une vraie démarche pour eux que d'accepter ce projet. Il a fallu qu'ils refassent la cuisine. C'est un autre travail. Ils cuisinent. Un cuisinier cuisine. Voilà. C'est incroyable, ça. Ben, c'est grâce à vous qu'ils sont revenus à leur métier. Non, c'est formidable. L'important, c'est la traçabilité et de savoir d'où on vient. Et où on va? Exactement. Elisabeth, vous m'expédiez où maintenant? Eh bien, écoutez, on va continuer à visiter la Mayenne. Alors là, je vous amène chez un éleveur très atypique. C'est Bruno Pourias qui va nous accueillir. Et vous allez voir que là, vous allez trouver justement comment on donne du goût dans l'assiette ici en Mayenne avec un élevage très particulier puisqu'il élève lui-même ses manenjoux avec des méthodes bio. Et puis, il va jusqu'à livrer le client. Donc, c'est une démarche assez innovante parce qu'il a commencé depuis déjà de très longues années. En vente directe. Donc, oui, on peut échapper à la grande distribution en venant chercher sa viande directe chez ce monsieur. Bonjour. Bonjour Bruno. Eh bien, je te présente Perico Légas. Très heureux. Je vous rends visite en Mayenne. Soyez le bienvenu à la ferme. Ah, on est dans le beau type de la race Ménanjou. Ça, c'est tout à fait le type d'une rouge des prés, ce rouge brun et ses taches blanches. Cette race s'appelle historiquement la Ménanjou, comme il peut y avoir la Normande, la Charolaise ou la Partenaise. Mais parce qu'elle a eu, et c'est rare, son appellation d'origine contrôlée, AOC en France, on dit AOP. Pour l'Europe, AOC, AOP, donc c'est une distinction de terroir et d'origine, mais une AOP ne peut pas porter le nom d'une race. Donc il a fallu la rebaptiser, lui redonner un nom de race, qui est la race Rouge des Prés. Cette race de vache, en fait, elle se trouve vraiment ici, chez Bruno Pourias, aux confins, finalement, de son lieu d'appellation. C'est jaune, hein. Ce qui serait bien, c'est qu'il pleuve comme vache d'épices. Exactement, ça serait parfait. Je pense que ça ne saurait tarder. Vous avez combien de têtes, Bruno? Il y a 70 mères et la suite, hein, donc ça représente autour de 160 animaux. Tous les animaux sont nés et élevés sur l'exploitation. Bruno, quelles sont les caractéristiques de cette race, sa qualité de viande? Le goût, la tendreté, le persillé, c'est vraiment une viande qui n'est pas sèche. La tendreté liée à la robustesse, vous voyez, de l'animal. C'est un peu les Mayennais finalement, hein. Ils ont ce côté tendre, ils vous accueillent les bras ouverts sur leur territoire et en même temps c'est des gens robustes, des gens courageux, des gens comme Bruno qui se donnent corps et âme finalement à leur élevage.
Bruno Pouillaz, vous vivez exclusivement de l'élevage de la Mélanjou et de la Rouge des Prés en bio ? Non, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc on a diversifié, ça reste une production importante sur l'exploitation, mais on a une autre production qui est assez importante, qui est la production porcine. Malheureusement, c'est la production bovine qui vient aider la production porcine parce que nous sommes en crise depuis 4-5 ans et voilà. Et c'est combien le kilo ? 1,50, dérisoire quoi. Nos parents vendaient plus cher que ça. Et attendez, on est dans une filière qualité, bien-être, porc sans antibiotiques. Enfin bon, on a un cahier des charges qui est vraiment du haut de gamme. Parfois, on a l'impression que les éleveurs, ils ont tendance à courber les chines. Et on se sent impuissant, hein. C'est vraiment pot de terre contre pot de fer. Ouais, mais c'est trop injuste. Bah, c'est trop injuste parce que vous voyez le travail que c'est. Et puis de voir qu'on est si peu rémunéré, que ça dure depuis des années et que ça peut encore être pire, je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Bah, 0,25 centimes du prix du lait, 25 centimes du prix du lait, 1,50 € du prix de la viande, mais on se moque du monde. Quoi. Oui, c'est pas avec ça que vous allez vivre. Et pourtant, c'est des produits de qualité qui demandent beaucoup de travail et d'exigence. Oui. Tant que ça sera la grande distribution qui fixera les prix de la production, on sera confronté à cet enfer. Oui. Votre point de vente est où ? À la ferme. On peut aller voir ça ? Oui, pas de problème. De la fourche à la fourchette. Voilà, ici nous avons un rôti. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est déjà découpé en morceaux. De la viande de bourguignon. C'est ce qu'on appelle la caissette. Et ça, la caissette, oui. Ce qui vous manque, en fait, c'est une meilleure prise de conscience du consommateur. Oui, je pense qu'ils ne prennent pas assez conscience de l'impact qu'ils font quand ils achètent local. On fait travailler l'abattoir du pays de Cran pour nous. Exactement, oui. On fait travailler le boucher qui est à Renazé. On fait travailler le producteur qui est à Congrey. Enfin, on ne peut pas faire un circuit plus court. Alors que nous, on fait même de la livraison à domicile. On se dit, qu'est-ce qu'on peut proposer plus, en plus ? L'acte d'achat est vraiment déterminant pour l'avenir de nos productions, l'avenir de l'élevage, l'avenir des producteurs. C'est l'avenir de demain, quoi. Ça me fait vraiment plaisir qu'un éleveur, avec ses mots, transcrive avec précision l'esprit de cette émission. C'était un bon moment. À la prochaine. Au revoir, merci. Oh, c'est lourd, hein. Vous en avez pris pour 2 mois. En fait, Elisabeth Doineau, tout ce qu'on a vu là est superbe et encourageant. Le vrai drame, c'est l'avenir. La question est de savoir est-ce que la génération suivante aura le courage et la détermination de relever le défi et de perpétuer et de sauver ce patrimoine. Justement, je vous emmène au lycée agricole de Château-Gontier où nous allons rencontrer le proviseur alors que la filière est quand même en détresse. Je pense que le lycée agricole saura vous montrer aussi tous ses projets, des façons de revoir l'agriculture avec une modernité qu'on n'attend pas justement dans un lycée agricole. Bonjour. Madame la sénatrice, enchantée. Paul Revollon, bonjour. La sénatrice m'a même dit que vous avez une ferme modèle ou une exploitation. Ah, bien sûr, nous, lycée agricole public, nous avons nos propres outils grandeur réelle. Donc nous avons une exploitation agricole économiquement viable avec un atelier porc, un atelier bovin. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'on est sur une vraie exploitation. Et donc nos élèves participent aux réflexions, d'évolution, de stratégie. Combien d'élèves ? 225. Sur ce site, vous avez combien d'hectares en fait ? 25 hectares ici. Et la gilane petit ? Là, il a... Deux semaines. Deux semaines. Et il reste combien de temps sur l'exploitation ? Il reste 6 semaines. Tu es d'origine... Il est parent agriculteur ? Mon oncle agriculteur. Bon, tu vois, là, il a reconnu qu'il avait affaire à une maman. Il s'est calmé, il s'est calmé. Les envoyer sur la filière porc, ça veut dire qu'il y a un débouché ? Oui, alors le débouché, il est certain. Quand on a ouvert le CAP agricole il y a 4 ans maintenant, l'étude de filière montre bien qu'il y a de l'embauche derrière. Pourtant, on est dans une situation où la crise porcine est de notoriété publique. On se dit que c'est un métier qui est sans avenir. Et là, il y a une filière qui propose quelque chose qui a une rentabilité, une viabilité. Alors, nous sommes, nous, en filière bio. Et là, aujourd'hui, on sait que voilà, il y a un marché. Le projet d'établissement, son slogan, c'est « produire, transformer, vendre par des approches durables ». Donc là, quand on a dit ça, on a tout résumé. Donc pour vous qui êtes enseignant et formateur et vous proviseur, l'agriculture française, elle a de l'avenir. Vu de cette façon, il y a une façon de proposer une autre forme d'agriculture
qui permettent de vivre dignement. Oh ben nous, on y croit. Alors, un des éléments pour mesurer ça, c'est l'engouement des jeunes pour venir en formation. Enfants d'agriculteurs ? Enfants d'agriculteurs pour 70% à peu près. 3 sur 10 qui n'en sont pas et qui ont envie de faire oui, ce métier. Oui, tout à fait. Et on a de la demande, on n'a pas assez de place. Ah, vous êtes complet. Oui. C'est plutôt encourageant. Oui, c'est motivant, hein, parce que c'est vrai que la détresse sur le terrain, elle se ressent tous les jours. Ça doit vous faire mal de voir ça. Ah bah évidemment, évidemment. Quand j'entends bien ce que dit Madame la Sénatrice, de dire que les agriculteurs sont en difficulté pour un beaucoup trop grand nombre, nous, ça nous fait mal au cœur, c'est clair. D'où la motivation des équipes pédagogiques de montrer aux élèves des systèmes qui fonctionnent. En tout cas, j'y crois. Et mon job, c'est de faire en sorte que nos élèves, en sortant d'ici, croient en leur chance, que ce soit le lait ou d'autres productions. Il paraît que vous faites de l'élevage de carpes, avec un atelier carpe, c'est vrai ? Effectivement, dans cette filière, nos élèves sont formés au métier de pisciculteur, mais aussi ont plein d'ouvertures sur de la diversification, sur divers types d'activités qu'un pisciculteur peut avoir. Les poissons qui sont présents ici ont été élevés sur des étangs qui sont présents dans la région, qui datent pour certains du Moyen-Âge. La carpe est un poisson qui a été introduit par les Romains à partir du Proche-Orient et elle est consommée traditionnellement en France dans certaines régions. Et dans la nôtre, on essaie de la remettre pleinement au goût du jour. C'est une tradition de la vallée de la Loire. Bon, en tout cas, Paul et Elisabeth, on a vu des initiatives qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui prouvent que l'agriculture peut toujours se remettre en question et innover. Bien sûr. Et ça, c'est important. Mmh. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Et puis merci au lycée agricole de Château-Gontier. Et aux carpes. Et aux carpes, et aux carpes, aux belles carpes. Aux belles carpes. Et aux jeunes. Il était en Mayenne un fromage qui s'appelait le Port-Salut, que l'on reconnaissait parce que c'était marqué dessus. Ce fromage n'est plus aujourd'hui qu'une marque industrielle. Mais des producteurs courageux ont décidé de le ressusciter. Ils sont allés trouver les moines de l'abbaye de Port-Salut, sur le village d'Entrammes, près de Laval. Et en créant la fromagerie Bio du Maine, ont continué la production de ce fromage. Ce sont 40 éleveurs laitiers rassemblés en coopérative qui perpétuent cette tradition, ont sauvé ce fromage. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant avec la sénatrice Elisabeth Doineau. Voilà, je crois que nous y sommes, Elisabeth. Oui, on est à la ferme du Grand Bois Barré. Je vais vous présenter Guillaume Chopin, qui est le directeur de la fromagerie du Bio du Maine. Ça va bien, Guillaume. Bonjour. Ça va, merci. Je vous présente. Bonjour. Voilà, Mélanie Gobin, qui produit le lait qui nous sert à faire le fromage d'Entrammes. Donc ici, la spécificité, c'est que 100% des fermes associées à la coopérative sont en bio. En culture biologique. En culture biologique, voilà. Ouais. Je crois qu'on est arrivé au bon moment. Vous allez chercher les vaches dans le pré. Alors non seulement cet élevage est bio, mais en plus, vertu principale, il est constitué exclusivement de vaches de race normande, qui est une race exceptionnelle. En étant Mayenne, la Normandie n'est pas loin. C'était autrefois le cheptel le plus répandu pour la production laitière. La Ménanjou, c'est pour la production de viande. Et cette vache normande donne le meilleur lait du monde, avec un taux de protéines et de matière grasse exceptionnel pour faire le fromage. Ça fait vraiment plaisir de voir des éleveurs en Mayenne qui ont le courage de préserver ce cheptel. C'est presque émouvant d'ailleurs de voir ces vaches. Les pis sont bien pleins, hein ? Oui, Müller, déjà. Vous les connaissez, les 45 ? Oui, oui. Celle-là, comment elle s'appelle ? Là, Eclipse. Eclipse, et celle-ci ? Héroïne. Oh. Merci, Mélanie. Voilà. Oh, le nez. Demain, il est en fromage, on va se dépêcher de le voir. Bah, toute la prairie. Demain, ça sera du fromage, ouais. Ça. C'est du pur bonheur. Qu'est-ce que c'est bon, nom de Dieu. Ça, c'est du lait. J'ai hâte de voir ce que vous en faites pour produire vos fromages. Moi, je vous emmène à Entrammes et on va voir la fabrication du fromage. Le meilleur des fromages. Ben, très volontiers. Donc là, on est à l'opération du moulage. Et après, ce gâteau de caillé qu'on découpe en pain, concrètement, dans un quart d'heure, on va avoir le fromage sous sa forme définitive, qui n'est pas blanc, qui est couleur crème, témoin aussi d'une fabrication au lait entier. Là, Guillaume, la méthode est totalement conforme à ce qui se faisait autrefois, il me semble. Hein. Totalement. Donc voilà, on va voir l'affinage. On va voir l'affinage, allez. Allez. Ah oui. Ah, on est au cœur. Bien sûr. Les différentes couleurs, c'est les... Les différents stades d'affinage. En fait, cette couleur orangée que vous voyez ici, pour beaucoup de productions fromagères aujourd'hui, elle est artificielle. C'est un colorant naturel qui s'appelle le rocou.
Chez nous, ici, là, c'est encore une flore, c'est la flore d'affinage qui donne cette couleur. Ah, carrément, voilà. C'est une croûte qui se mange. Ah oui, oui. Non, mais le scandale aujourd'hui, c'est que certains producteurs de fromage industriel sont obligés de marquer sur l'étiquette croûte non consommable. Ce qui est un peu... Oui, alors que celle-ci, elle se mange, elle se déguste. Il y a un petit parfum quand même, hein, en plus. Ouais. Hein. Eh bien, je vous présente Charles Laurent, le président de la coopérative, qui est producteur de lait, livreur de lait pour la fromagerie. Vous voulez montrer qu'en Mayenne, il n'y a pas que des grandes firmes multinationales de l'industrie laitière, qu'il y a aussi des gens qui sont sur le terroir, ouais, et la proximité avec les paysans. On ne pouvait pas rivaliser avec les laiteries de chez nous. Quoi, non, c'est pas le but. Au pied des grands arbres, il y a de la place. Donc, voilà. Nous, bien sûr. Voilà. Vous avez raison. Ben, les producteurs aiment souvent à dire que c'est le symbole d'un acte militant aussi, oui, de production de lait bio sans ensilage, sans enribanage. C'est plus qu'un fromage. Pour nous, c'est un petit trésor de fromage, en fait. C'est tout simplement la différence qu'il y a entre l'agriculture paysanne, ce que vous êtes, et l'industrie multinationale. Il faut des deux, peut-être. Oui. Mais en tout cas, l'industrie multinationale ne peut pas décider qu'elle aura le monopole de la production laitière. Et en Mayenne, l'actualité l'a montré il y a quelques semaines. Et vous êtes là pour prouver qu'il y a une autre voie. Surtout que vous avez perpétué une tradition, celle du port-salut, dont l'abbaye est à côté. On va les goûter, tiens, d'ailleurs. Je voudrais voir ce que ça donne. Ouais. Merci. On croque dans la nature, là. C'est un fromage vivant qui vous raconte une histoire. Et j'espère que vous aurez de plus en plus de succès. Et surtout, que Madame Douaneau ira expliquer, prêchant la bonne parole, si on fait ça en Mayenne, on peut le faire ailleurs. Et puis même, je vais les amener au Sénat pour partager ces bons fromages avec mes collègues. On va entramer le Sénat. Guillaume, est-ce qu'il est possible de visiter l'abbaye ? Oui, bien sûr. N'oublions pas que c'est aux moines que nous devons notre patrimoine gastronomique et alimentaire. C'est eux qui avaient la connaissance, qui avaient le savoir, qui ont transmis, ils avaient les terres, bien entendu. Les fromages, les vins, toutes nos spécialités viennent toujours de la vie monacale. Et aujourd'hui, on est là, le Port-Salut fait partie des dernières abbayes qui ont transmis ce savoir fromager et notre civilisation gastronomique. N'est-ce pas, frère Guillaume ? Tout à fait. Frère Péricot. Le frère Alexandre qui nous accueille. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour, frère Alexandre. Bonjour, mon frère. Vous étiez frère fromager, vous-même ? Oui, pendant 3 ans. Il y a eu la fabrication jusqu'à quelle époque ? On a arrêté en 1988. La fromagerie était dans l'enceinte de l'abbaye ? Oui. Ah, d'accord. C'est un lieu historique de l'histoire du fromage français, quand même. Exactement. Ça, et international. Et international. C'est un lieu plein de sérénité. Oui. Oui. Ouais. Combien de moines ? Alors, actuellement, nous sommes 11. 11 ? Il y a eu jusqu'à combien de moines dans l'activité ? Une centaine de moines. Hein. Centaine de moines. Ouais. Moi, j'ai connu ça en haut, là. Ici, là. Donc, c'est ici qu'est né le Port-Salut, si je comprends bien. À l'étage. Une petite fromagerie, oui. Mais là, c'était une petite production. Hein. Ça vous fait quelque chose, quand même, qu'il y ait cette continuité, que des jeunes se soient installés pour perpétuer cette tradition ? Tout à fait, oui. Il faut signaler que la création de la fromagerie ici, en Trame, n'aurait pas été possible sans que l'abbaye accepte de céder un hectare de terrain pour qu'on y construise ce bâtiment. Premier encouragement à notre activité, il a été bon. Celui-là de la part de... Donc vous avez la bénédiction des moines. Est-ce qu'il était bon, ce fromage, mon frère ? Tout à fait. Vous l'appréciez, en tout cas. Oui, oui. Voilà. On peut avoir un petit peu de gourmandise pour fromage. Mais on s'en confesse ensuite. Voilà. Merci, mon frère, de nous avoir accueillis, de ce retour aux sources historiques du fromage. Vous m'avez confié tout à l'heure que vous aviez un petit peu soif. Oui, oui. Je vais vous présenter un couple formidable. Il s'agit de deux brasseurs. Et c'est Bernadette et Stéphane. Stéphane. Bonjour. Bonjour, Bernadette. Bienvenue. Ça va bien ? Ça va. Alors, je vous présente Péricot Légas. Ah ben, on fait de la bière ici. C'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver de la bière au cœur du Maine. Comme ça, c'est pas un terroir à bière. Comment vous est venue l'idée de vous installer ici, précisément ? Eh bien, alors, on était déjà installés en couple. Donc, Stéphane, mon mari, était paysan depuis déjà un certain nombre d'années en vache laitière. Et donc, on est sur une ferme et il y a des céréales. Donc, du coup, on peut transformer les céréales en bière. Et vous faites quoi comme variété de bière ? On fait 6-7 variétés. Quand même. Donc, blonde, dorée, ambrée, blanche, brune. Donc, la céréale, vous les produisez ici ? Alors, on a la récolte, puisque la saison est passée. La récolte a été faite
au mois d'août. Le Cantillet, elles sont toutes là ? Ouais, les Cantillets sont toutes là. Non mais c'est vrai que ça en dirait de l'or. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est d'une belle couleur. Là, on a analysé l'orge, malgré une année pas très bonne pour les céréales globalement, mais du coup là on a un rendement correct, sans aucun traitement, et du coup un calibre qui est plutôt bon. Maintenant on va envoyer ça au maltage, et puis il faudra brasser, voir ce que ça donne. Quoi. Donc les bières que vous avez là, elles proviennent de ces différents types de maltes. Selon la recette, en fait, on utilise différents maltes. Quand on fait de la blanche, par exemple, moi je mets 50% de ça et 50% de ça. D'accord. Voilà, 50%. Ça, c'est doublé, le froment. Alors du froment, malté. L'amertume, on l'obtient par les houblons, mais aussi par les maltes torréfiées. C'est la partie alchimique du procédé. C'est là où les enzymes se combinent avec l'eau, la nature, l'air, le soleil, et où le fruit, dans sa fermentation, génère ces subtils arômes délicats que nous allons déguster tout à l'heure avec la sénatrice. Bernadette. Oui. Est-ce qu'on peut voir un petit peu de mousse? Oui, c'est possible. Pas plus haut que le bord, hein? Non, bien sûr. Ah, c'est magnifique, on dirait de la crème. C'est incroyable. Ah, ben j'aurais pas mis une lunette, j'aurais pensé que vous mangez dans une laiterie. Quelle belle couleur blonde. C'est buvable, là, ou non? C'est pas fini, hein, c'est une bière qui est en cours de. C'est bon quand même. Mais si on pouvait voir la version produit fini, ce serait pas mal non plus. Vienna Lager, fermentation basse, brassin unique. Allez, un petit peu de fromage, le bio du Maine. Hop. Nous allons trinquer, mesdames, à cette excellente bière. Avec plaisir. Ce sont, ma chère Elisabeth, deux produits fermentés qui proviennent du même territoire. Mmh. Et on a une harmonie. Ils sont très contents de se rencontrer. Et là, ils se tiennent par la main. Et ils sont en train de gambader dans la prairie. Elle a un petit décolleté comme ça, léger, vous voyez, comme sa forme. Lui, c'est un garçon un peu comme ça. Hein, et puis, ça court ensemble. Et puis, ils sont c'est contents quoi, d'être là. C'est quoi votre mission ? Manger, c'est voter. Voilà, on arrive à l'écluse de la Benâtre. C'est une écluse qui est particulièrement jolie parce que vous avez la vue sur un moulin et vous avez aussi la vue sur le château de La Roche. C'est un endroit exceptionnel. Donc le restaurateur ici est aussi éclusier. Elisabeth Borne, imaginons que demain, le président de la République vient vous voir et vous demande de lui suggérer une mesure simple à prendre pour sauver ou préserver tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui suggérez ? Bien, Péricot, moi je pense que ce que vous avez vu aujourd'hui en Mayenne, ce que vous a démontré Elisabeth de Vitton avec la préparation de légumes qui sont finalement des produits locaux, nous pourrions le démultiplier partout en France. Je pense que c'est une initiative qui finalement pourrait sortir l'agriculture du désespoir dans lequel elle est. Voilà une idée simple que vous pourriez soumettre à un président de la République qui vous demanderait votre avis. Pourquoi pas ? Elisabeth Doineau, merci pour cette déclaration et cet engagement. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau Manger, c'est voter. Il y aura des engagements et certainement des déclarations de ce genre parce que plus ça va et plus nous rencontrons des gens soucieux de préserver des savoirs, des patrimoines et transmettre aux générations futures ce qui nous rend fiers et heureux d'être français, notamment autour de la table, puisque manger, c'est voter. C'est voter. Et ce sera sur Public Sénat. À très bientôt. Merci.